Ben, me revoici avec une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci pour vous présenter donc une box, hein, la Bibuti Box. Alors comme je dis dans la vidéo précédente, je viens de rentrer, j'ai vu mes box dans la boîte aux lettres et je suis impatiente, je ne peux pas attendre. Je devais vous en présenter qu'une, mais finalement je vous présente les deux parce que j'ai vraiment trop envie de savoir ce qu'il y a dedans. Donc voilà, elle se présente comme ça, dans une boîte en carton. Alors je vais aller assez rapidement parce que je ne veux pas faire de vidéo trop longue. Voilà, donc voilà la Bibuti Box. Donc cette fois-ci, elle est écrite en bleu, hein. Donc une petite boîte super mignonne. Voilà, on ouvre, on découvre tout de suite. Moi, je ne peux plus attendre. Alors, il y a le menu, comme d'habitude. Donc c'est la Bibuti Box d'avril, donc 2013. Donc voilà, donc alors le thème. Ouais, je sais pas trop, mais on y va. On regarde tout de suite les produits. Donc, dans la boîte, un petit pochon que je prends et je vous montre tout de suite les produits que j'ai reçus. Alors, ce mois-ci, dans la Bibuti Box, alors tout d'abord, il y a du beurre de karité. Alors, du beurre de karité pur. Donc bien, c'est un full size, hein, donc il fait 100 grammes. Voilà. Donc c'est de la marque Lamazuna, pardon. Lamazuna. Donc c'est un pot, donc c'est un pot en verre. Hein. Oh là là, ça sent vraiment le beurre de karité. C'est, voyez, alors je ne sais pas si vous allez voir la consistance, c'est vraiment du beurre. Tout simplement, c'est du beurre. Voilà. Moi j'adore. C'est des produits que j'utilise beaucoup en hiver. Donc ça va me faire un petit pot d'avance pour cet hiver. Voilà, j'utilise beaucoup pour mes cheveux en hiver, pour ma peau quand il fait très très froid, pour l'hydratation des lèvres le soir. Voilà, c'est un produit que j'utilise beaucoup. Donc voilà, ça me plaît vraiment et je suis contente, ça m'en fait un d'avance et j'aurais pas besoin de racheter cet hiver. Alors après, il y a donc de la marque Akan. C'est un produit bio, c'est un full size. Donc c'est une crème fondante hydratante. Voilà. Donc je ne sais pas si je vous ai dit le nombre de grammes. 30 millilitres. Donc on va regarder comment elle se présente. C'est génial parce que c'est des marques que je ne connais pas. Moi ça m'intéresse toujours d'essayer des nouvelles marques. Des fois on trouve des trésors dans les nouvelles marques. Et donc voilà, c'est un petit pot comme ça. Par contre, je ne sais pas si je vais l'ouvrir parce que c'est. Je vois que. Ouh là là. Oui, c'est une durée de conservation de 3 mois. Bon, de toute façon, elle est protégée. Donc, on ne peut pas savoir à l'odeur que ça a. Mais ils disent appliquer le matin quand la peau tire en ville, sur la terre ou dans les airs. Donc, c'est une crème hydratante. Voilà. Donc, toujours bon à avoir. Elle est bio en plus. Donc, voilà. Peau normale déshydratée. Donc je pense que par contre elle a une durée de vie que de 3 mois, donc c'est vrai que quand je vais l'ouvrir celle-ci, il va falloir que j'utilise que celle-ci parce que sinon après ça va vite vite partir. Et après donc il y a un gloss donc de la marque Boho. Alors, décidément dans toutes les box ils ont mis des glosses ce mois-ci. Bon, tant mieux, hein, moi ça me gêne pas, hein. Donc voilà, ça se présente, il se présente comme ça. Alors c'est de la marque Beau. Voilà, donc 85 donc d'actifs végétaux pour des lèvres brillantes et pulpeuses. Donc c'est un full size. Donc la couleur c'est bordeaux. Et eh ben décidément, ils ont tous tapé dans le mille. Ce mois-ci avec les couleurs, parce que ce sont vraiment des couleurs que j'apprécie beaucoup. Alors vous allez voir, il y a des swatchs, je vais faire sur l'autre main. Voilà, je vais vous le faire là. Oh, il est très joli, vraiment très joli. Voilà, c'est un gloss, mais super pigmenté, hein. Ils sont très très bien, il est très bien pigmenté, hein. Voilà, donc c'est un petit gloss. C'est sympa parce que moi, voilà, je commence vraiment à apprécier les glosses ces derniers temps et d'en avoir comme ça à tester, ben, ça me fait plaisir. Alors par contre, je ne vous ai pas dit le nombre
2 grammes. Oh, c'est bien important. Enfin, c'est un gloss, hein, voilà, tout simplement. Et là, la couleur, vous la voyez, numéro 60. Voilà. Et donc là, c'est un vernis à ongles de la marque Peggy Sage. Donc, tout simplement, il s'appelle Miami. Voilà, donc c'est un corail. C'est un corail. Il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir un peu la couleur. Je vais vous montrer. Donc, j'ai déjà entendu parler de cette marque. Donc, voilà, je suis assez contente d'avoir un vernis de cette marque. Donc, il est très, très joli. Vraiment très joli. Donc, voilà. Je suis bien contente d'avoir un vernis. Donc là, ils ont mis deux produits make-up cette fois-ci. Alors voilà, donc moi, à la Beauty Box, voilà, jamais déçue. Vraiment, je suis toujours super contente de découvrir les produits qui nous mettent à l'intérieur. Vraiment, là, je suis contente. J'ai du beurre de karité. J'ai une crème hydratante. Voilà, j'ai pas beaucoup de produits. J'en ai quatre, mais c'est quatre produits qui sont full size. Donc en plus. La dernière fois, je disais, oh tiens, il n'y a pas de produit make-up. Et bien, cette fois-ci, il y en a deux. Donc, il y a un gloss et un vernis. Donc, c'est super. Et bien, je suis super contente, encore une fois, de la Beauty Box. Et vraiment, je vous incite à vous abonner, même un ou deux mois, parce que je pense que vous ne serez pas déçus. Moi, ça fait la deuxième box que je reçois. Et voilà. Et je ne suis pas déçue. Les produits ont l'air de bonne qualité. Il y a des produits bio. Il y a des produits quand même. Vraiment, ça reste vraiment des produits qui restent dans le naturel. Et en plus de ça, c'est toujours des full size, quoi. Donc, on n'est pas déçu. On n'a pas des petites miniatures qui font 5 millilitres avec lesquelles vraiment on ne peut pas faire d'essai. Là, on a toujours des full size. Donc, c'est vraiment super intéressant. Voilà, les filles. Bah, écoutez, je vous ai présenté donc la Beauty Box donc, du mois d'avril 2013. J'espère que ça vous a plu. Plein de bisous à vous toutes. Et je vous dis à bientôt. Salut, les filles.